péché pour toi. Peau de crapaud, tout ça pour moi? Oui, de belles grosses limaces bien dodues, parce que tu es mon ami. Oh, Paragouin, tu es vraiment le plus gentil de tous les monstres. J'aimerais ça faire quelque chose pour toi, moi aussi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux faire quelque chose juste pour moi? Oui. J'aimerais... Je sais, oui. Je veux un tableau qui s'illumine de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand je dessine dessus. C'est pas facile à faire ce que tu me demandes. Mais étant donné que je suis une sorcière, je devrais y arriver. Patate pilée. Mais il va falloir que tu me laisses travailler si tu veux que j'y arrive. Ok, nous, je m'en vais. J'ai trop hâte. Alors, potion pour faire grossir le nez. Non. pas ça non plus, pas tout à fait ça. Couleur de l'arc-en-ciel, voilà. Un petit peu de bave de limace, facile. Et, oh, encre de sèche. J'espère que j'en ai encore. Poil de chauve-souris, non. Oh, encre de sèche, voilà. Non, Virus, ce n'est pas toi qui décides. Je vais faire plaisir à Baragouin, un point, c'est tout. Il ne me fera pas changer d'idée. Arrête ça tout de suite. Je dois me concentrer. Allez, Jingle Boy, au travail. Les vaches couraient partout à travers les plaines. Oh oui, et moi, seul, avec mon lasso, je les rassemblais toutes. En moins de temps qu'il ne faut pour dire papa. Wow, c'est amusant. J'aimerais ça faire ça. Facile. Ah oui? Comment? On a tout ce qu'il nous faut. Hein? Je suis un cow-boy, non? Oui. Affirmatif. J'ai un lasso. Et vous? Vous êtes? Les vaches. Oh! Mais je suis pas une vache, moi. Je suis un monstre. Un monstre. Mais Jingle veut seulement qu'on fasse semblant d'être des vaches. Oh, ok, doux. Mais comment on fait ça? D'abord, vous mettez vos lèvres comme ça. Ouais, et maintenant, vous vous déplacez en faisant... Et maintenant, partez à la course. Je vous laisse prendre un peu d'avance. C'est l'encre de sèche. Poil de rat. Où est mon encre de sèche? Virus, reviens ici tout de suite. Oh, espèce de démon à quatre pattes, si je t'attrape. Verre noir, ça ne se passera pas comme ça. Allez les vaches. Je suis Jingle le cowboy. Et il y a juste Jingle le cowboy qui est capable de rassembler un troupeau. Les yeux fermés. Jingle, enlève-moi ça tout de suite. J'ai pas fait exprès. Je visais une de mes vaches. Comme si je n'en avais pas assez de virus qui s'est sauvé. Faut en plus que je me fasse prendre par un cabole malhabile qui me prend pour une vache. Oh. Est-ce que quelqu'un a vu virus? Si tu fais la grosse grenade comme ça avec lui, je comprends qu'il soit parti.
Oh oh. Danger, danger. Lasso Apso, lasso Venus. Shazam. Oh, mon lasso. Maintenant, essaie d'attraper quelque chose avec ça, cowboy. Virus. Virus. C'est mon seul lasso. Tu peux peut-être lui demander d'annuler le sort. Tu penses qu'elle voudra? Je sais pas. Moi, faire la vache, ça m'a donné une faim d'ogre. Pas toi? Mais peut-être mieux d'attendre un petit peu, le temps qu'elle se calme. Oui, c'est toujours plus prudent de laisser refroidir un circuit qui a surchauffé avant de s'en servir à nouveau. Moi, j'ai envie d'un ragoût de guimauve. Pas toi? Si tu veux. Cri-cri. Là, là, une grotte de souris gigantesque. Hum. C'est ça qui t'a fait peur? Oui. C'est un grain de chocolat. Tu es sûr? Ben, est-ce que ça goûte le chocolat, les crottes de souris? Oh, mon ragoût! J'ai laissé mon ragoût sur le feu. Il faut que j'y aille tout de suite. Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu ne devrais pas être chez ta maîtresse. Allez, va-t'en. Un chat. Ça chasse les souris. Je n'entends plus rien. Elles sont parties. Toutes les princesses dans leur château ont un chat pour les protéger des souris. Alors pourquoi pas moi? Je vais t'appeler Gustave Virus le second. Gustave! Gugu! Viens ici, mon Gugu! C'est qui le plus beau Gugu à sa princesse? Viens! Cherché partout. Où est-ce qu'il peut bien s'être caché, ce satané chat? Je t'ai cherché partout. As-tu retrouvé Virus? Non. Et en plus, il a disparu avec une fiole d'encre de sage dont j'ai besoin pour faire mon cadeau à Baragouin. Oh. Je lui ai promis. Je peux pas le décevoir. Qu'est-ce que tu veux, cowboy? C'est que je voulais juste savoir si tu pensais peut-être pouvoir remettre mon lasso comme avant. Ton lasso? Je pense surtout que c'est pas le bon moment pour me demander ça. S'il te plaît, Lily Watt, un cow-boy sans son lasso, ça peut plus rassembler ses vaches. Bon, il recommence avec son histoire de vaches. Tu ne penses pas que tu devrais les laisser tranquilles, tes vaches? Non, mais... oui, mais... c'est pas ma faute si t'étais dans le chemin. Dans le chemin? J'étais pas dans le chemin! C'est toi qui courais partout en hurlant! C'était un accident! On hurlait pas, on s'amusait! C'est toi qui as encore tout gâché avec tes sorts! Tu peux jamais t'empêcher d'être méchante! Enfer, rue noire! Tu vas voir si je suis capable d'être méchante! Danger! Danger! Tu vois, si t'étais une gentille sorcière, tu ferais pas ça! Et tu m'aurais jamais fait ça!
gentil. La preuve, je ne l'ai pas transformé en puceron. Faut absolument que je retrouve mon encre de sèche. Sinon, je ne pourrai jamais faire mon cadeau à Baragouin. Je vais t'aider. Dis-moi à quoi elle ressemble, ton encre de sèche. C'est un liquide noir dans une fiole bleue. Données enregistrées. Si on retrouve ton chat, l'encre de sèche ne devrait pas être bien loin. Mais j'ai cherché partout. En es-tu bien certaine? Même en disant s'il te plaît, elle n'a pas voulu. Oh. Elle est vraiment méchante. Oh, c'est bizarre. Elle est toujours gentille avec moi. Même que bientôt, elle va me donner quelque chose qui va me faire super plaisir. Ah oui? Oui, moi, c'est parce que je lui ai donné un gros pot de limaces bien dodues. Elle était trop contente. Mais j'en ai pas de limaces à lui donner, moi. Bah, tu peux trouver autre chose qui lui ferait plaisir. Comme quoi? Virus! Tu penses que si je retrouve et que je lui rapporte son chat, elle voudra me redonner mon lasso? Oui! Mais comment je peux faire ça? Je sais pas. Et retrouver un chat fantôme, c'est pas facile, Fuchsbin. Il disparaît tout le temps et il déguerpit encore plus vite que ma pétunia. Bonjour, bonjour! Ah, bonjour, Crinoline! J'aimerais un petit pot de lait, s'il vous plaît. Oh, que doux, ma cri-cri. C'est pour mon nouvel ami. Ah oui? Un nouvel ami? Oui. Chez qui? Gustave, oui. Gustave le second. Il vient d'où, monsieur le second? Il a l'air de quoi, au juste? Il a une super moustache et de très beaux yeux. Ah oui? Une moustache. Il ne parle pas pour rien dire. Et c'est un chasseur incroyable. Oh, j'aimerais ça le rencontrer. Oh, je vous quitte, Gustave, maintenant. Merci. Tu crois qu'elle a trouvé son prince charmant? Gustave le second. Encore une de ses inventions. Faut que je trouve le moyen de ramener cette bestiole à sa maîtresse si je veux avoir mon lasso. Mon chat, il s'est sauvé avec une fiole d'encre. Oh, ton chat? Ici. Oui, on a cherché partout, sauf ici. J'active mon détecto. Est-ce que tu l'as vu? Hein? Ton chat? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? C'est que je ne suis pas toujours chez moi, tu sais. Une princesse, ça a des rendez-vous. Et ça, c'est quoi? Ça? C'est pour mes bas de pied de princesse. Est-ce que ce serait pas plutôt pour attirer un chat qui serait passé par chez toi? Ha! Ça ne fonctionnera pas, Virus ne boit pas de lait. Virus, je sais que tu es là. Si tu penses que tu vas m'avoir en te cachant ici... Encre de sèche localisée. Elle est dans un de ces tiroirs. Jolies chaussettes. Oh, des gants de satin. Oh, des faux diamants pour une fausse princesse. Oh, eh bien oui, c'est vrai. Je l'ai vu, ton chat. Tu sauras qu'il est très heureux avec moi. Il m'a même dit qu'il ne voulait plus être ton chat. Impossible. Virus, tu vas voir que vivre avec une princesse, ce n'est pas tout repos. Tu vas revenir en miaulant à ma porte. S'il te fuit, c'est parce que tu ne sais pas lui parler. C'est tout. Oh oh. Mes mouchoirs de princesse, ils sont ruinés. Mais qui m'a fait ça?
quand elle sèche. Oh, virus! Manou, manou, miou, miou. Aha! Quoi? Je sais exactement comment faire pour lui rapporter son chat fantôme. Comment? Ah, je suis pas un cow-boy pour rien. J'ai encore un lasso. Tu veux le capturer au lasso? Impossible, ça ne se fabrique pas. Oh. Et pourquoi tu ne demandes pas à Filou de t'en donner d'autres? Mais ce n'est pas tous les jours qu'il attrape une sèche dans ses filets. Et c'est encore plus rare qu'elle accepte de cracher son encre. Oh. À cause de ce foutu chat, je vais faire de la peine à mon ami. Chaque fois que je veux faire quelque chose de gentil, Virus m'en empêche. Je n'y arriverai jamais avec lui. Jingo a raison. Je serai toujours une méchante sorcière. Il y a peut-être une solution. Quoi? Tu pourrais avoir un chat qui t'obéit toujours. Impossible, j'ai tout essayé. Même un chat robot. Un chat robot? Oui, comme mon chien un robot. Et il obéit tout le temps. Tout le temps? Oui, il faut juste que tu demandes à Vegan de le programmer pour toi. Demander à Vegan? Et Virus, qu'est-ce que j'en ferai? Non! Je vais montrer à Virus que c'est moi la plus forte. C'est la seule solution. D'accord. Il n'est pas question qu'il m'empêche de faire mon cadeau à Baragouin. Il faut que je trouve une façon de remplacer l'encre de sèche. Oh! Il y a peut-être une autre solution. Et plus fort pour qu'il t'entende. Gustave le second, reviens ici tout de suite. Oh, Baragouin. Qu'est-ce que tu fais là déguisé en chat? Moustache, lait, chasseur, Virus. Ton Gustave le second, c'est Virus. C'est vrai ça, Cricri? Oui. Je voulais un chat pour chasser les souris de chez moi. Mais il est vraiment trop vilain. J'ai deux mots à lui dire à ce matou fantôme. Et si j'ai réussi à le retrouver? Eh, ça tombe bien. Nous aussi, on le cherche. Oui, c'est pour ça que je fais le gros chat fantôme. Miaou! Miaou! Je vais vous aider. Miaou! 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 Allez, les minous, miaulez! Je suis prêt! Fuse-bide, il est pas loin! Oh, il est là, sur la table! Oh, vas-y, Jingo! Vite, Jingo, maintenant! Oui, je l'ai, je l'ai! Wouhou! Jingo boy! Jingo! J'espère que ça va fonctionner. C'est la première fois que j'utilise la fonction centrifugeuse du transformateur de matière. Oh. D'après mes calculs, on devrait pouvoir en extraire quelques gouttes. Oh, c'est ma seule chance de pouvoir faire mon cadeau à Baragouin. Lilywatt! Quoi? Jingo, il a... Lilywatt, j'ai Virus! Oh. Vas-y, ça va prendre encore un peu de temps. Merci! Virus! Mes mouchoirs! Ordinateur, activez le transformateur de matière. Activez la fonction centrifugeuse de particules. Lancez l'opération. Patate pilée, on dirait du spaghetti. Crapaud, ça va? Il a attrapé Virus. Ah ouais? C'était pas facile, mais je l'ai eu. Je pense plutôt que c'est lui qui t'a eu. Je te jure que je l'ai eu, mais il a disparu. C'est ça, chat fantôme. Un petit peu plus compliqué à attraper qu'une vache, hein, cowboy? Oh, le voilà! Toutes mes félicitations!
Merci. C'est vraiment une de tes plus belles prises. C'est la première fois que j'attrape un fantôme. T'es vraiment un petit rapide. Merci, c'est ça être un cow-boy de ma trempe. Tu mérites bien que je te fasse un petit cadeau. Ah, justement, je me disais qu'étant donné que... Virus! C'est ça, être une sorcière. Vieux Bean, t'es rapide. Ouais, la meilleure. Et est-ce que la meilleure sorcière peut m'aider à retrouver mon lasso, hein, s'il te plaît? Tu t'es vraiment donné, cowboy. Oh, oui, ça c'est vrai. Et c'est grâce à toi si j'ai réussi à retrouver ce petit démon de virus. Alors, tu veux bien? Ouais, mais avant j'ai quelque chose à terminer pour un grand ami poilu. Oh, c'est moi ça? J'ai trop hâte. Patate pilée. 1, 2, 3. Oh, c'est beau. Tiens. C'est la crème magique. À l'encre de sèche. Est-ce que je peux? Ouais. Oh, merci, Lily White. Ciel, aussi brillant comme des bijoux de princesse. Comme un ciel étoilé. Oh, t'es vraiment la plus gentille de toutes les sorcières. Oh oui, ça c'est vrai, hein. Merci, Lily White. T'es vraiment chanceux d'avoir reçu une si belle surprise. Moi, j'ai juste eu des souris aujourd'hui. J'ai un petit quelque chose pour toi, Crinoline. Ah oui, pour moi? Ça va peut-être éloigner les souris.